C'est une très belle initiative que les jeunes Français quittent leur France et venir ici au Sénégal pour découvrir nos modes de vie, nos cultures, etc. J'avais pris goût à ça depuis que j'étais au lycée L'Imam Blaye de Dakar parce qu'il y avait des partenariats avec des lycées de France, du Canada, Angleterre et tout ça. Donc j'ai vu l'impact de ce partenariat gagnant-gagnant entre les établissements de deux pieds différents. Ce qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est quand on a fait la visite en calèche de Saint-Louis, on allait voir des enfants et ils étaient vraiment trop mignons. Enfin, ils venaient nous voir et on n'a pas l'habitude. En France, c'est pas du tout ça. Enfin, ils sont pas aussi tactiles en fait. Ils viennent nous voir, ils nous parlent de leur. Enfin, ils nous parlent. Du coup, on leur parle et que ce soit des enfants ou pas en fait. Et par exemple, quand on est allé au parc des oiseaux. Ouais. Je crois que c'était au parc des oiseaux et que on est monté sur le toit du bus. Bah ça c'était vraiment bien parce que en France pareil on peut pas faire ça et enfin pour nous c'était vraiment comme quand on fait un safari en Afrique quoi. Enfin ouais. Voilà. Ce matin, on va vous présenter le thiéboudjène à la Saint-Louisienne. Donc le thiéboudjène, c'est le plat national sénégalais. Donc on dit ici à la Saint-Louisienne parce qu'il y a une façon à la Saint-Louisienne de préparer le thiéboudjène, comme il y a une façon à la dakaroise. Donc nous, puisqu'on est en Saint-Louis, on va le faire comme quand vous dites tarte à la alsacienne, etc. Donc c'est propre à la région, n'est-ce pas? Donc thiéboudjène, ça veut dire thiéboudjène, ça veut dire Dieu, ça veut dire poisson. Donc, livre au poisson, coucou, hein, mais à la façon sénégalaise. Première fois que je coupe un poulet, enfin que je le dépece comme ça, donc ça fait bizarre. Mais après on se dit que c'est bon, donc on relativise. On est en train de faire cuire les lentilles. Donc on les a faites tremper dans l'eau d'abord. Et là on est en train de les faire cuire. La préparation pour la tarte aux pralines. Donc on attend que la pâte que les filles elles ont fait, elle cuise 15 minutes. Et donc avec le mortier on a réduit les pralines en poudre plus ou moins. On fait des gougères. Fromage. De pâte à choux. Donc c'est avec de la farine, des œufs, de l'eau. On fait une tarte tatin. C'est un plat français qui est vachement bon. En gros, ce qu'on doit faire, si je me rappelle bien, c'est en bas on met du caramel. Après on met des pommes par-dessus. Et le truc un peu spécial de la tarte tatin, c'est qu'on met la pâte au-dessus. Ah non, moi les pâtes comme ça, je les fais depuis que j'ai 5-6 ans avec ma grand-mère. C'est pour ça qu'on les a fait aussi vite. Nous avons assisté à un cours de géographie donné par M. Nia, donc à des élèves de terminale littéraire et qui portait sur les échanges internationaux. Donc moi j'ai trouvé que c'était un cours assez interactif, les élèves ont beaucoup participé, étaient aussi très attentifs. On a trouvé quand même que ça se rapprochait assez du système éducatif français, de la façon d'enseigner en France. Moi personnellement j'ai trouvé qu'ils étaient très nombreux par cours mais qu'ils étaient assez disciplinés quand même. C'est un peu différent de chez nous. Nous on,
quand même, il y a certains cours où on s'amuse, voilà. Eux, ils apprennent, enfin, je sais pas, moi, personnellement, je trouvais qu'ils apprenaient bien, qu'ils apprenaient les mêmes choses que nous, voilà. C'était très pertinent et j'ai bien aimé faire le cours avec eux. Bon, j'ai adoré le fait de partager avec les Français nos cours. Bon, c'était superbe et agréable. Alors, tout début, entre Français et Français, j'avais un peu peur parce que de me dire de partir 15 jours avec 17 personnes que je connais plus ou moins, c'était quand même difficile de me le dire parce que nos rapports étaient très superficiels. Au lycée, on arrivait un peu en groupe quand on faisait les réunions. Du coup, on ne se connaissait pas forcément. Mais dès le début du voyage, il y a une certaine complicité qui s'est créée. Donc pour mon cas personnel, j'ai pas choisi les personnes avec qui je me suis retrouvée dans la chambre. Et donc c'était des personnes que je connaissais vraiment que de vue. Et finalement, j'ai vraiment appris à les connaître. La proximité a fait qu'il y a une complicité. J'ai vraiment appris à apprécier ces personnes. Bien. Non, franchement, c'est bien. On a la plus grande chambre. Et c'est cool. Enfin, ouais. Sauf qu'il fait un peu chaud la nuit. Ouais, il fait chaud. Mais sinon, c'est on bien, a c'est une salle de bain, on a tout ce qu'il faut, c'est cool. Ouais, on a ventilateur, petit lustre qui tourne, c'est pas mal. Vous avez quelque chose à rajouter? Non. C'est très bien, on est très contentes. Ouais, on a super bien. Ça permet de mieux connaître les gens et parce que on n'est pas forcément très proche au lycée, du coup, bah, ici, ça permet de se rapprocher. Ouais, ça crée des affinités. C'est plus convivial. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça fait. Ensuite, j'appréhendais un peu tout ce qui était tâches ménagères, mais finalement, tout le monde met du sien. Il y a vraiment une très belle solidarité. Tout le monde aide à faire le linge, si on a certains problèmes, admettons les devoirs, si on a besoin d'aide. Ensuite, on a mis en place un système de débriefing pour mieux appréhender les situations, s'écouter les uns les autres. La langue de Barbe, c'est cette cordon de sable qui sépare du fleuve de la mer. C'est un cordon qui s'étire sur une centaine de kilomètres, qui prend naissance depuis la Mauritanie et qui se termine plus précisément dans la région de Louga. La brèche met en péril beaucoup de... Enfin, c'est une catastrophe écologique, autant d'un point de vue humain que d'un point de vue de la faune et de la flore. Puisque la destruction des berges, ça détruit tout doucement les écosystèmes, mais également des villages. Nous avons pu voir, notamment au village des pêcheurs, que plusieurs maisons, notamment des écoles, ont été détruites. Notamment sur les écoles, il faudrait préciser qu'il faudrait les reconstruire, parce que c'est important d'avoir une éducation pour tous, pour créer une meilleure égalité des chances, mais également sensibiliser la population au changement climatique. Sinon, pour la biodiversité, c'est très dangereux parce que c'est une biodiversité unique au monde, qui est mise en danger. Autant, ça peut aussi détruire les fonds marins, qui sont quand même très, très importants à Saint-Louis, enfin ici en Afrique. Et c'est une ville accueillante. Les populations sont extraordinaires, civilisées, polies, éduquées, informées, très calmes et très paisées. Donc Saint-Louis est devenu un carrefour incontournable. Et entre Français et Sénégalais, au début, je vous cache pas que j'avais quand même certaines appréhensions par rapport au choc culturel. Mais finalement, j'ai vraiment appris à découvrir d'autres personnes qui, même si on peut croire que c'est différent par rapport à là où elles vivent, comment elles vivent, finalement, elles nous ressemblent vraiment. On est confrontés aux mêmes problèmes de la vie. J'ai vraiment aimé. Le plus à midi, les repas, au déjeuner, ils se mettent tous autour du bol pour partager le repas avec nous. C'est très intéressant d'adopter le mode de vie sénégalais, surtout en mangeant, en étant assis sur le sol à manger dans un plat commun. Je trouve ça hyper convivial, c'est super intéressant, tout le monde parle avec tout le monde.
Et puis de partager sa nourriture, ça permet de rapprocher les liens et je trouve ça super. Et les plats sont bons aussi, du coup c'est super. Alors visiter la maison de la gare, ça m'a permis de d'avoir un avis critique en fait sur l'image que j'avais avant des talibés et celle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était très intéressant dans le sens où on a pu discuter avec un responsable de cette maison qui nous a éclairé sur pas mal de questions qu'on avait. Par exemple, quand nous, on se balade dans la rue et qu'on voit justement ces enfants dans la rue, on se dit ils sont miséreux, ils n'ont peut-être pas de futur, alors que visiter la maison de la gare, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, certes, certains, malheureusement, n'auront pas de futur, mais d'autres, grâce à cette association, pourront avoir un futur. C'est-à-dire que l'association, elle, tous les soirs, des adultes vont dans les rues. Quand l'équipe va dans les rues, le soir à partir de 23h, le plus souvent, on a entre 7, 6, 8, au maximum 15 enfants. Et quand on les amène ici, on a suffisamment de lits pour les héberger. Et dès le lendemain, il y a les éducateurs qui les écoutent pour essayer de comprendre pourquoi ils sont dans la rue. Et la majeure partie d'entre eux sont des talibés. Donc leurs marabouts sont à Saint-Louis. Comme je vous l'ai dit tantôt, ils ont eu des problèmes pour avoir les 200 francs ou 300 francs réclamés par le marabout et ils n'ont pas osé retourner. Donc nous, parmi nous, il y a des marabouts. Ils accompagnent l'enfant chez le marabout, on discute et on le retourne. Nous, on a assisté à un cours d'anglais et de français. Aussi, ça nous a permis donc d'avoir des critères objectifs sur la vie des talibés et de nous rendre compte qu'en fait, c'est pas forcément péjoratif et qu'on peut pas avoir un réel avis critique dessus puisque ça fait partie des traditions du Sénégal et qu'en fait, c'est... On peut pas, nous, se permettre de juger une tradition, en fait. Donc, certes, il y a des extrêmes, mais dans un autre sens, ils ont pas l'air si miséreux et malheureux que ça. Alors, c'est vrai que le moment où on a donné des fruits et des pains au chocolat aux enfants, j'ai été très très mal à l'aise, dans le sens où ça s'est fait très très vite et on n'a pas du tout eu le temps d'échanger avec les enfants. Par exemple, la préparation, on n'a pas vraiment pu préparer ensemble et quand on leur a donné non plus d'ailleurs, on avait vraiment les enfants assis par terre qui attendaient de recevoir leur goûter et nous qui leur donnions en fait et on n'a pas vraiment eu d'échange réel avec ces enfants et c'est vraiment quelque chose que je regrette en fait. Alors en France, ce qu'on fait généralement c'est qu'on va dans les magasins, on demande aux clients d'acheter en plus de leurs courses un aliment, quelque chose dont quelqu'un aurait besoin. Et ils l'achètent, ensuite ils nous le donnent et nous allons le verser dans des associations. Et ensuite, c'est les associations, grâce à ce qu'elles ont récolté, le distribuent à des orphelinats, à des maisons ou aux gens les plus démunis. J'ai appris un métier, je l'ai exercé pendant 37 ans, je suis parti à la retraite, on m'a donné tous les honneurs qu'aucun gouverneur n'a jamais eu, même Fadar, on ne l'avait pas. Je me suis battu pour implanter une toute petite région, je reste devoir tout à cette ville. Si je rencontre un Saint-Lien en train de mettre des ordures sur un des trottoirs, vous pouvez prendre les Saint-Lien en tribunal, ils vont vous dire, l'histoire va se terminer dans une heure au tribunal. Maintenant, je ne peux plus, je suis vieux, je suis malade. Mais 4 ans en arrière,
Je faisais 4-10 km de parcours le matin. Et si quelqu'un s'amusait à salir le trottoir, je te demande de ramasser les ordures, de foutre ça dans ta poche. Au prix de me battre avec toi, on n'a qu'à nous prendre à la gendarmerie. Je n'ai pas besoin d'un avocat pour défendre ça. C'est des gens. Un chef de service qui ne part pas travailler à l'heure, à 8 heures. L'État t'a donné un véhicule, on a mis le carburant, on t'a donné un chauffeur. Tu dois être au bureau à 8 heures, tu arrives à 9 heures. Il y a des gens qui ont besoin d'une signature, qui t'attendent jusqu'à 9h30. Personne n'en parle, mais tu feras l'objet d'une grande émission pendant une heure ici. Monsieur Goldberg, c'est un très grand homme. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il ait plus d'influence que le président lui-même. Donc il appelle et il se déplace vers le président quand il veut. Non, ça c'est vraiment très impressionnant. Un homme aussi influent pourrait faire de grandes choses, notamment pour protéger cette biodiversité. Nous avons fait un cours de danse sénégalaise. J'ai vraiment apprécié ce moment-là parce que déjà en France, j'aime beaucoup la danse. Et du coup, ça m'a permis de redanser au Sénégal. Et c'était vraiment intéressant parce que ça change complètement de nos danses habituelles. Et c'est un peu comme une culture, la danse au Sénégal. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça avec... le monsieur qui nous a appris cette danse. La musique au Sénégal, c'est très différent de chez nous. Ça a une valeur qui est différente et ça se déroule de manière différente. Et les instruments aussi, on ne les connaissait pas. Et c'était super intéressant de voir un petit peu quels instruments étaient utilisés, la voix et tout ça. Voilà, surtout qu'ici, ça a une valeur très culturelle, plus que chez nous. La musique, elle est complètement différente. Chez nous, on va plus s'attarder sur les arrangements derrière, alors qu'ici en fait c'est la voix et l'instrument qui sont principalement écoutés et qui importent en fait aux yeux des gens. Donc en plus avec le témoignage du monsieur qui était là, c'était vraiment très très intéressant avec la petite mélodie derrière. On a trouvé que c'était vraiment typique en fait de ce qu'on pouvait entendre ici. Il n'y avait pas un texte, c'était vraiment sur le moment, c'était improvisé, mais ça faisait même pas improviser, c'était bien. Et ben, en France, on a des instruments qui sont beaucoup plus en métal ou en bois. Ici, on voit que c'est vraiment des instruments qui sont faits avec les matériaux, avec des matériaux locaux, avec par exemple, on a pu voir de la peau d'animaux ou choses comme ça. Chez nous, on a des sons qui sont beaucoup plus... qui sont en fait un peu tous les mêmes. On a les mêmes instruments, tout ça. Ici, on a plusieurs sortes d'instruments de percussion, d'instruments de avant, etc. Voilà. Et les sons, ils sont vraiment uniques. Les sons que produisent les instruments, ils sont différents de chez nous, mais surtout, ils sont uniques les uns par rapport aux autres. Moi, j'aimerais beaucoup apprendre. Quand j'étais en 6e au collège, il y avait des personnes du Burkina Faso qui nous avaient appris un petit peu à faire du djembé. Et on avait trouvé ça très intéressant. C'était mieux que faire de... Enfin, moi, personnellement, j'ai préféré faire ça plutôt que de faire de la batterie ou faire de la guitare basique. Bah, moi, du coup, quand on est allé chez Marie-Caroline, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait,
J'ai bien aimé parce qu'elle nous a raconté l'histoire de la gomme arabique. Et c'était pas raconté. Enfin, c'était naturel et elle a raconté ça avec ses mots. C'est pas comme quand on a une exposition ou quoi. Et en plus, la maison, elle était très bien rénovée. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça bien. Puis j'avais l'impression aussi qu'il y avait plus de liens avec elle qu'avec les autres personnes qui nous présentaient leur sujet. C'est peut-être parce qu'elle est pas 100% sénégalaise, comme elle a des origines françaises aussi, peut-être qu'elle a su nous parler différemment en fait. Ouais. Et enfin, elle a su expliquer son histoire et ça nous a bien accroché, enfin on a bien accroché comment elle l'a dit. La gomme arabique, ça a été la première richesse de la ville et de la vallée. Et c'est aussi un des premiers commerces qu'il y a eu avec les Français. Donc les premiers Français qui sont arrivés ici, on va dire, ont fondé Saint-Louis ex-Nilo, parce qu'il n'y avait rien sur cette île, mais c'était des Normands. Ils venaient de Dieppe, vous savez peut-être, et c'était des commerçants. Aventuriers plus ou moins qui travaillaient dans des marines royales et ils voulaient faire de l'argent en fait, tout simplement. Ils étaient souvent quand même accompagnés dans ces bateaux de gens qui avaient d'autres passions, comme là votre groupe est mixte. Ils avaient des gens qui s'intéressaient pas qu'à l'argent, mais ils embarquaient des cartographes, des géographes, des passionnés comme Adanson de botanique. Et ça faisait un petit monde un peu bizarre. Hein. Moi, je suis à 100% satisfait du déroulement. Je suis même surpris de voir que le climat est comme ça. Je m'attendais à ce que des élèves qui viennent pour la première fois ici au Sénégal, en Afrique, je veux dire, et au Sénégal, n'y a pas de stress. Ils sont venus intégrer tout de suite l'équipe d'élèves sénégalais. Ça, je crois que c'est un exploit. Je crois qu'il y a la main de Dieu qui est là-dedans parce que ça pouvait se passer autrement. Mais en tout cas, du point de vue présence, accueil et imbrication, je crois que c'est parfait. J'aurais bien aimé que nous aussi nous partons en France pour découvrir aussi eux leur culture et leur mode de vie. Il ne serait-ce que 15 jours ou un mois, j'aimerais bien que nous aussi nous partons en France. Oui. Je trouve que c'est une ville vraiment différente que ce qu'on peut trouver en France et finalement je suis contente parce que j'avais pas envie de retrouver... J'avais envie vraiment de découvrir quelque chose de nouveau. Et je trouve que c'est une très belle ville avec un patrimoine très enrichissant et que les gens sont vraiment souriants. Je les trouve très gentils aussi.